meilleur des teams, j'espère que vous allez bien. Juste avant que le court-métrage commence, comme d'habitude, je vous fais un petit récapitulatif pour ceux qui auraient loupé ou oublié le dernier court-métrage. On avait tous cru que Julie était morte, mais ce n'est pas le cas. Sig a fait croire à Thor que c'était Julie qui l'avait attaqué. Et notre ami Thor, eh bien, il a décidé de défendre Julie et de s'attaquer à Sig. Ah oui, et au fait, Thor vous dit de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous louperez pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, Sig, il s'était enfui. Et Thor a commencé à téléporter les Avengers. Ah oui, et au fait, Miaus Clay, il a rencontré Groot en lui faisant pipi dessus. Bon, ok, on dirait un petit peu un arbre, Groot, non? D'ailleurs, je vous avais demandé dans les commentaires de me dire quel objectif de code créateur on avait. Vous m'avez dit qu'à 5000 soutiens dans la boutique Fortnite, code créateur Team WoW, je vous réserve une surprise. Donc n'hésitez pas à péter le code créateur, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu sur ce bon visionnage. Bon, eh bien, j'ai assez d'énergie désormais. Je pense que le moment est venu de faire venir notre ami Tony Stark. Je compte sur toi. Je vais puiser mes dernières réserves d'énergie pour t'invoquer. Je compte sur toi. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de l'ancien Frenzy Farm. Juste derrière moi se trouve un astéroïde géant qui est tombé du ciel. On ne sait pas encore comment. Regardez-moi la taille de cette chose. Mon collègue est en train de vous montrer. C'est juste impressionnant. Et regardez, juste ici se trouve quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas encore ce que c'est. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est radioactif? On ne sait pas du tout. Mais j'ai bien envie de m'approcher pour voir. Ah, elle a disparu! Cindy! Cindy, réponds-moi! Mais... je vais mourir aussi vite! Sauf Kepay! Rebonjour, chers téléspectateurs! Je survole actuellement l'énorme astéroïde qui a frappé et détruit Frenzy Farm! Et nous avons actuellement repéré un lama, c'est très 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 bizarre. On dirait que cet astéroïde se prépare à la guerre et au kidnapping de lama. Mon sauveur. Ils ont fait des expériences sur moi. Des expériences, tu dis? Ça me rappelle quelqu'un. Ce serait pas un certain Chaos? Enfin, un mec avec un masque qui parle avec une voix grave. Ça résonne du coup avec son masque, mais... mais je pense que tu devrais le reconnaître si c'était lui. Est-ce que c'est lui ou pas, du coup? Dis-moi, c'est très important, je le cherche. Un type avec un masque et un de ses soldats. Ils m'ont injecté un produit. Et ensuite, j'ai... Ça m'a transformé. Et ça m'a transformé en la créature verte que tu as vue. Ils ont voulu me tuer car j'étais incontrôlable. Mais toi, beau gosse, tu m'as sauvé. Arrête de m'appeler comme ça. T'es trop modeste. Je te kiffe déjà. Mon amour. T'es au courant que j'ai déjà une femme? Enfin, non, tu dois pas le savoir, mais... j'ai déjà une femme. D'accord? Bref, lâche-moi la grappe. J'ai du travail. Il faut que je retrouve ma fille et ce... ce Chaos, si tu veux. On s'en fout de ta femme. T'es pas marié, si? Non, je suis pas marié, non. Mais on s'en fout pas, enfin, moi je m'en fous pas. Bref, laisse-moi tranquille, d'accord? Ben, t'as qu'à divorcer. Je suis plus belle, je suis sûre. N'est-ce pas? Non. Allez, salut. Hey, reviens! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu me veux? Ah! Tu m'énerves! Reviens! Hey, tu te calmes, je suis pas parti, ok? Je t'ai sauvé la vie, c'est tout, je croyais que... Si tu veux pas être avec moi, personne ne t'aura. Ouais, mais... t'es complètement barge! Je cherche juste ma fille, ok? Il faut que je retrouve Chaos! Laisse-moi leur trouver que je retrouve ma fille! Et t'as encore rien vu, petit Midas! Je t'explose quand je veux! Et facilement en plus. Attends, on se calme, ok? Parce que si tu m'énerves, tu vas me trouver, d'accord? Je dois retrouver ma fille, j'ai dit, ok? Je m'en fous! Divorce, je te dis! Sinon, je te tue! Tu m'empêcheras pas de retrouver ma fille, ok?
Je dois retrouver Chaos pour retrouver ma fille. J'ai pas le choix. Bon, tu commences sérieusement à me saouler, là. Viens ici. C'est bon, Wow. Je me suis emporté un peu. On peut être amis, hein. C'est déjà pas mal. Désolé. T'es complètement taré, ma parole. Mais je t'ai sauvé la vie pour une raison. Je dois retrouver ma fille et je pensais que tu savais où elle était. C'est juste que cette histoire m'a stressé et t'es tellement beau. En plus, tu m'as sauvé, donc... Ben, je te kiffe un peu, quoi. Allô, Midas? C'est moi, Sky. T'es où? Je te laisse ce message vocal parce que, ça fait des jours que t'es pas rentré. Et je t'attendais à la maison, mais... J'ai préféré aller à ta recherche, car tu es sur répondeur. Midas, c'est le troisième appel que je te laisse. Oh, Midas! Tu vas lire tes messages un jour? Ça me saoule, sérieux! Midas! C'est moi, Sky. Tu comptes me répondre? Ça va m'énerver, je vais te tuer, là! Midas, j'ai un message pour toi. Je vais venir te tuer et ça va barder! Ah, je me sens mieux. C'est bon, t'as fini de péter un câble? Allez, bref, je te laisse. Hé, tu vas où? Je t'ai dit que je devais retrouver Chaos car il sait sûrement où est ma fille. Cool, je peux venir avec toi s'il te plaît? Chut! Attends deux secondes, je dois répondre. Oh non, c'est ma femme qui m'envoie 50 000 messages. Enfin, ma femme, ma copine, mais je suis foutu, elle va me tuer. Bon, tu sors d'où, juste toi? Je s'appelle Groot. D'accord, je s'appelle Miaouskle. Voilà, je t'ai dit mon prénom, maintenant tu pourrais répondre à une question. Où est mon fils? Il s'appelle Kit. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Mais il est complètement stupide ou il l'a fait exprès? Je cherche Kit! C'est mon petit garçon! Un petit chaton tout mignon! Oh 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 oh, je s'appelle Groot. Non mais c'est pas possible, il me pousse à bout là! Tu me pousses à bout, attends, bouge pas! Maintenant que j'ai mangé le champignon, je vais te tuer, tu m'as compris? Je s'appelle Groot. Mais il m'énerve! J'ai envie de te tuer, bouge pas! Groot! Je s'appelle Groot! Mais on dirait un disque rayé, c'est horrible! Pourquoi tu dis tout le temps la même chose? Je s'appelle Groot! Il m'énerve! Je vais le tuer, c'est sûr! C'est sûr, je vais le tuer! Non, attends, je me calme! Groot! Mais... Groot! Mais il est stupide! Il est complètement stupide! Oh! Tu vas où? Reviens! Waouh! C'est pas possible ça! Je sais ce que je vais faire! Je vais te coller deux balles et je réfléchis. Stark Industries. Y'a personne. C'est parfait! Je vais pouvoir voler quelques petits trucs. Tu vas voir, Midas. Tu perds rien pour attendre. Ma vengeance est un plat qui se mange froid. Oh, il y a pas mal d'équipements là-dedans. Ouais. Il me faut une de ces armures, c'est sûr. Du genre celle-là. Oh ouais. Tu vas voir, Midas. Alors, on fait moins le malin, hein, maintenant qu'on est kidnappé, hein? Hein? Tu dis plus pareil, hein? Tu dis plus « m'appelle Groot » Hein? On dit plus rien, hein? Ouais, je t'entends plus, hein? Je s'appelle Groot. Non, mais tu vas pas encore recommencer? Ça tombe bien, il me fallait du bois pour le feu. Hop! Alors, je s'appelle comment? Hein? Brûlé, c'est ça? Hein? Sale bout de bois, va! Je s'appelle Groot. Non, mais il se fout de moi! Il continue! J'ai hâte que tu finisses de brûler, tu m'énerves!